Et on se retrouve là, pour Super Mario Land 2, là, les 6 pièces dorées. Là. Donc, ouais, hein, commençons là. Ok, donc là, une nappe cocasse là, que tu peux faire, c'est si tu veux clairer une partie, là. Regarde Mario Bond, là. C'est pas marrant, ça, là. Anyway, là. Premier niveau, allons-y, là. On dit que cette musique-là est bonne, là. Comme j'ai presque pas envie de parler tellement qu'elle est bonne, là. Yeah, je pense que tout d'abord, je veux montrer là, comme la rigidité de Mario, là. C'est comme genre, comme je l'ai dit, là, je trouvais que le Mario de Mario Land 2, il était bizarre à manier à cause de son accélération, là, mais 7, là, c'est ça, il a comme, regarde ça, là. Comme, il prend un petit temps pour accélérer, pis ça, j'aime mieux ça, là, parce que ça me permet de mieux juger mes sauts, là. Mais non seulement ça, c'est ça, je trouve, là, qui est hyper maniable dans ce jeu-là, là. Mais bon, tant que parler des nouveautés, là, cette attaque tourbillon-là, là, il nous permet, là, de briser des blocs, là, sur... Des blocs, mais en plus, là, nous permet d'aller chercher les power-ups dans les blocs avec un point d'interrogation. Comme celui-là. Tiens. Et ça nous permet de clairer des affaires comme ça, là. Puis là, on est un Mario de feu avec une plume comme un Amérindien, là. C'est pas génial, ça, là. But, yeah, les boules de feu sont un seul qui peut... Comme, c'est des blocs-là, là. Je peux seulement les détruire avec des boules de feu, là. Bon, tiens. Mais yeah, tu vois ça? C'est ça ce que je veux dire lorsque Mario est hyper amaniable. J'aurais jamais été capable de faire ce truc-là, là. Là, dans Mario Land 1, là. Ben, il n'y a pas le spin jump, mais tu vois ce que je veux en venir, là. J'adore vraiment le maniement de Mario, là. Ça prend un petit temps d'adaptation aussi, là, mais là, tu t'y habitues, là. C'est, ouais, c'est vraiment sympa, là, les contrôles dans celui-là. J'adore vraiment la comment il y a plus d'inertie dans tes mouvements, là. So, yeah, anyway, là, donc, l'histoire du jeu, c'est que pendant que tu faisais, là, les événements de Mario Land 1, il y a un certain Wario qui a été volé le château de Mario. Puis, il a barricadé à la porte avec les 6 pièces dorées, là, comme dans le titre, là. Qui se retrouve dans cet arbre-là, là, puis... Ben, pas seul. Ouais, les 6 pièces, ils se retrouvent toutes dans la même place, là. Wario est stupide comme ça, là. Non, non. Mais non, faudra que tu ailles rechercher les 6 pièces, là. Mais ouais, là. Ça y est, on pourrait aller dans cet arbre-là. L'hippopotame en haut à gauche, on pourrait aller là. On pourrait aller dans ce troy si on veut, là. On pourrait aller dans le Mario géant, là. Ou on peut aller à la Tortue-là, là. Moi, je veux aller dans le Mario géant, là, parce que c'est la seule place là, que je connais là, qui a un certain power-up qui va m'aider, là. Je veux dire, j'ai-tu fini ce que je disais avec le maniement de Mario, là? Encore. Ouah! Somptueux, là. Je comprends pas les plaintes sur les contrôles. Que j'ai. La hitbox de ce pec-là était pas mal lignante. Mais, c'est pas grave, là. Parce que, voilà donc une nouveauté, le Mario Lapin. C'est ça, non seulement il nous permet de faire des sauts plus haut, là, il nous permet de planer comme ça, mais tu vois comment il se baisse légèrement, là. Bon, si tu presses rapidement sur le bouton A, tu peux rester sur le même spot vertical.
Donc c'est ça, mâche le bouton A si tu veux rester plus longtemps dans les airs, là. Puis en fait, ce power-up, il va nous aider, là, pour le défi que je me suis infligé, là. Je vais essayer de finir le jeu en ramassant le moins de pièces possible. Il est impossible de faire le jeu sans ramasser de pièces. Whoops. Comment je fais pour resetter? Reset, là. Ok, là. Recommençons, là. Je vous retrouve là, là. Bon, ben oui, j'ai fait le con en ramassant la pièce, là. Mais comme j'essaie de dire, c'est ça, je vais me faire un défi où que je vais ramasser le moins de pièces possible. Il est impossible de faire le jeu sans pièces, mais je vais essayer d'en ramasser le minimum possible. Donc, ouais, c'est pas mal ça, là, j'ai pas besoin de m'expliquer plus, là, c'est rien que ça que vous avez besoin de savoir, là. Anyway, ce niveau-là, là, qui est proche là, du pelvis de Mario géant, là, c'est ça. Il y a plein de boules, là, parce que Nintendo. Là. Puis c'est de ma faute que je me suis fait toucher là, là. Pas à cause du jeu. Que fais attention ici. Hein, j'ai encore fait foirer, là. Reset. Là. Heureusement qu'il y a une sauvegarde automatique, là. Bon, ok. Ok, tu sais quoi, là? Ok, tiens. Hein, j'aurais pas dû faire une sauvegarde, là. Tant pis, là. Ah oh, ouais, c'est vrai, ouais. Regarde, il y a plein de pièces, là, mais... Si tu mets en Mario petit, là... Regarde ça, là. Pfff! Même pas besoin de se creuser à la tête, là. Je veux dire, la raison pourquoi... Oh yeah, c'est vrai, je veux... D'ailleurs, et tous les graphismes, je trouve, là, ils sont amplement mieux. Comme, non seulement les sprites sont énormes, là, mais... Je sais pas, là, je trouve que le jeu est bien plaisant à regarder, là. Oh, il y a là une tr... Ah non, pas ce mini-jeu, là. Ok, j'ai une vie, là. Tant mieux. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh yeah, c'est ça, j'essaye de garder, là, le compteur de pièces en bas à zéro, là, le plus longtemps que je peux, là. Duquel c'est pour ça là, que je vais faire la petite maison en dernier. Niwa survolant toute la zone. Hein, oh well. Je sais pas lequel là, qui a... là comme un power-up. Ok, c'est quoi ça là? Non, ça... Ok, vous pouvez pas m'en vouloir, c'est je suis juste curieux, là, je sais pas lequel, là, qui a un power-up ou pas, là. Ok, ça, là, ça aurait été compliqué, là, se mettre dans ça, là, pis... you know, là. Toutefois, regarde ça, là. Tiens. Pas besoin de se creuser la tête, là. Regarde, ça nous permet aussi de one-shotter les coups, pas, là. Là, ce move-là, là. Ok, là, je vais pas investiguer ça, là. Gars, ça doit faire mal, tu vas gripper d'en face comme ça, là. Ok. Ok, voilà donc le mini-jeu là, que je vais vous montrer une truc, là, c'est qu'on regarde. Lorsqu'il va à l'extrême gauche, là, attrape. T'auras tout le temps 3 vies, là.
C'est facile à faire, puis whoops. Ok. Apparemment, ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de pièces. Peut-être bien accepter ça, là. Ok, là. Pourquoi le background il s'arrête là? Okay. En bas, je pense qu'il y a un sac de pièces là, de 50 pièces. Tu peux utiliser les pièces pour avoir plus de vie. Comme. Non, c'est comme, t'auras pas là, des vies avec seulement 100 pièces, là. Plutôt c'est ça, tu peux dépenser tes pièces là, pour... Ah ouais, c'est ça, avoir des vies dans une loterie. Là. C'est ça, c'est... Les Mario Land sont vraiment différents là, des jeux là, sur console. Là. Ce que j'aime... Là et tout, là, j'ai une affaire que j'aime bien dans ces jeux-là, c'est comme comment là, tu prends un power-up, tu free... le temps il freeze pas pour une fraction de seconde. Là. Ce niveau-là était facile. Ben, yeah, alors tu prends un power-up, là, c'est ça, tu ne freeze pas le temps là, pour une seconde. Là, c'est ça aide à garder là, le flow de l'action le plus constant. Là. C'est français ce que j'ai dit. Là. Ah. Mais. Les boss dans ce jeu-là sont souvent là, pathétiques, mais les trois petits cochons, eux autres. Ouais, là. Je pourrais juste prendre Mario de feu, là, mais ça va, là. Retentons le coup, là. D'ailleurs, le compteur d'ennemis en bas à droite, là, Star 60, là, tu peux avoir. Voyons, une étoile. Mais en passant, là, ça nous permet pas, là, de nous sauver la mise, là, pour les pièces en question, là. Bon, tiens. Simple. Je me suis fait avoir au début, là, mais c'est pas grave. Ça y est, là la porte en question qui demande les 6 pièces dorées. Oh, I'm sorry, j'aurais dû me taire là, pour ça. Là. Pour ce jingle-là. So, est-ce que je continue ou que je m'arrête? Hein, je continue, là, mais... Je vais aller chercher mon power-up. Bon, ok, tiens. So... Allons donc dans le niveau de l'arbre, tant qu'à faire. Quoique, s'il est un peu long, le temps pile. Allons donc là, dans le niveau... Oh non! Maudite tortue m'a avalé. Ok, là, lui, là, il est dans mon passage. Là et tout est dans mon pensage. Oh, c'est quoi avec ces Goombas-là? Hein? D'ailleurs, ça s'appelle Goomba, là, pas Gunboss, là. Peu importe comment il l'a épelé, là. Bon, ok, je ruine la musique, là, en flottant comme ça, là. Pis derrière, il t'ouvre, là. Donc, un petit fait cocasse, c'est comme la musique, là, il... Qu'est-ce que je peux... Comment je peux le dire?
Il utilise un peu la même mélodie. Comme j'ai dit, tu vas tout le temps avoir trois vies à chaque fois, hein? Je veux dire, la musique, ils partagent les mêmes thèmes, là. Comme les différents thèmes, ils utilisent là, comme un peu là, le même thème, là, comme le thème athlétique, là. Comme écoutons celle-là, là. Hein, ça ressemble un peu à la première musique qu'on a entendue, là. Bon, pis ok, au fin du compte, là, t'es quand même assez rapide, là, dans l'eau, donc encore, je comprends pas, là, c'était quoi à plaindre, hein? Là, qui est, t'es plus loin dans l'eau, mais... C'est pas tard, tu vois... Tu bouges latéralement aussi vite là, que lorsque tu es sur le sol. Donc, c'est quoi enfin? C'est le secret là, que c'est comme ça dure longtemps là, à point. Là, c'est pour ça. Là. Parce que oui, il y a des niveaux secrets là, que. Hein? Est-ce que je les montre comme après mon défi? Là? Non. Je préférerais mieux pas, là. Le labyrinthe. C'est vrai, comme j'ai dit, là, ce Mario Land, là, c'était celui qu'on avait eu, moi pis mon frère, pis j'en garde de très bons souvenirs. Hein. Pis c'était du pastionnage, ça. Ouais, what? Yeah, je suis revenu là. Je connais pas mon chemin. Devrait être ça. But yeah, j'ai des bons souvenirs de ce jeu-là, là. Pas que ça va affecter là, mon verdict sur ce jeu-là. Au contraire, ce jeu-là, il est excellent. Ce jeu-là, objectivement, il est excellent. Il est peut-être facile, oui, mais il est le fun. Puis, ok, je me suis fait avoir bêtement. Il y a toujours plein de vie, donc ouais, le jeu il est un peu facile, mais ça va là. Ok, c'est là qu'il va y avoir un peu de difficulté là. Que je fais une save state au début. Là. Comme je vais avoir. Yeah! Comment je fais ça, là? Parce que... Ok, là, si j'ai un bon rythme, là, ça va, là, je comprends mieux, là. Non, j'adore vraiment comment les niveaux, là, c'est comme... Sur la world map, ça suit, comme avant, on était, là, sur les îles, oui, là. Ah, ouais. J'ai ramassé 4 pièces sans le vouloir, hein. Comme j'étais inconsciemment en train de jouer au jeu comme il faut, là. Je veux dire, j'adore vraiment ça. Comme au début, on était sur les îles. Après ça, on était allé dans un sous-marin qu'on pouvait voir sur la map monde. Puis après ça, on va dans une baleine, là, qu'on peut voir sur la map aussi, là. Je veux dire, j'adore vraiment cette continuité-là. Surtout plus tard. On va voir ça, là. Pauvre Koopa là, qui s'est retrouvé ici, là.
Mais que je vous retrouve là. Bon, qu'est-ce que tu es? Yeah, c'était ici là, que je me suis rendu là. Et toi, va-t'en. T'arrives là. Encore les ennemis qui se retrouvent dans mon passage. Tiens. Laisse-moi OK. Ouais, c'était soit ça que je suis tombé dans les pièces, là, dans le tapis, là. Ok, Archer, tu sais c'est quoi ce que je vais faire? Uh-oh. Rien. Je pensais qu'il était hors écran. Ok. Yeah, excusez-moi de faire des save states, là, mais c'est pas difficile, là. Là, comme ramasser une pièce par accident. C'est dans mon passage, tu vois. Non, je sais pas c'est quoi, là, ce tissu-là en bas de moi, là, que je peux passer à travers. Hein. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire ça pour le coup pas, là, mais bon, là. Oh wow. Alors, regarde, là, deux mondes de fête, là. Ça ramasse cette pièce, là. Au moins pas bêtement, là. But, yes, si je ramasserais des pièces, je pourrais les utiliser pour les casinos et ça, tu. Donc, je dis casino, là, mais c'est plutôt là, une loterie. But anyway, là, that's about it, really, là, pour le moment, là, donc, bye.